Bonjour, aujourd'hui on retrouve Mélissa qui va nous parler de son projet de cœur, Machitos, les sacs à dos solidaires. Ça va toujours Mélissa? Ça va très bien. Mélissa, est-ce que tu peux nous présenter ton projet? Avec plaisir. Alors j'ai lancé Machitos, une marque de sacs à dos solidaires. Donc ce sont des sacs à dos qui sont fabriqués de manière artisanale au Pérou. Et notre principe, c'est que pour chaque sac à dos vendu, une journée de travail est financée dans les bidonvilles de Lima. Super. Et du coup, à travers Machitos, c'était quoi le problème auquel tu voulais t'attaquer? En fait, je suis née au Pérou, j'ai vécu en France, donc j'ai une double vision en fait, de ce qui se passe là-bas et ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pérou, d'un côté, il y a une énorme richesse artisanale qui est encore trop méconnue en dehors du pays. Un savoir-faire millénaire, en fait. C'est culturel, c'est vraiment dans l'histoire du pays. Et en face, ici, on est de plus en plus à la recherche de produits authentiques, uniques, où il y a une vraie histoire derrière. Le côté vraiment responsable aussi est très important. Et donc voilà, j'ai voulu en fait faire démocratiser l'artisanat péruvien à l'international, et là on commence par la France. Donc voilà. D'accord. Et donc concrètement, la solution que tu apportes, elle se fait à travers les sacs à dos Ouais, voilà. En fait, on a choisi les sacs à dos parce que dans l'imaginaire, le Pérou, c'est synonyme de voyage, de découverte, d'aventure. Et l'accessoire qui représente le mieux cet imaginaire, c'est le sac à dos. D'accord. Voilà. Sur ce projet, tu travailles toute seule aujourd'hui ou tu es déjà entourée d'une belle équipe? Pour le moment, on est deux. On est deux, donc mon cofondateur qui s'appelle Romain, avec lequel je travaille sur ce projet. Ouais. D'accord. Et dans le projet, vous avez voulu y mettre des valeurs particulières, j'imagine? Oui. C'est quoi les valeurs de la marque Machitos? Alors, Machitos et nous, du coup, avons trois valeurs fondamentales, le partage, l'authenticité et le courage. Le courage, c'est parce que derrière le projet, l'ensemble des parties qui composent en fait Machitos, il y a vraiment une histoire derrière, un chemin parcouru, un effort en fait, que ce soit avec les artisans qui eux-mêmes sont entrepreneurs, qui vivent de leur passion et qui doivent toujours aller de l'avant pour continuer ce qu'ils aiment faire. Il y a l'association qui aide les femmes dans les bidonvilles de Lima, entre autres. C'est un de leurs gros projets sur lesquels on travaille avec eux. Donc depuis des années, voilà, cette volonté d'accomplir et d'aider. Et nous, derrière aussi, qui sommes là pour justement démocratiser et faire connaître un savoir-faire local en dehors des frontières. Donc l'ensemble des trois représente bien cette valeur-là. L'authenticité, bien parce que justement c'est de l'artisanat, c'est des choses qui sont faites à la main, ou du moins essentiellement à la main. Il y a toute une histoire, voilà, chaque produit qui est fait, c'est quelque chose d'unique derrière, ce sont des personnes qu'on aime mettre en avant aussi, ce ne sont pas des machines, donc voilà, c'est aussi leur empreinte. Et puis le partage, parce que le Pérou, c'est vrai que c'est assez, c'est synonyme de découverte, d'aventure, de fête, de joie. Il y a énormément de choses en fait à partager là-bas. Et si on demande à n'importe qui de nous raconter son voyage en fait au Pérou, il y en a pour 3 heures parce qu'il y a tellement de choses à dire et on a envie de les faire ressentir parce que c'est vraiment un pays très beau. Tu parles avec beaucoup d'émotion de ce pays, ça fait plaisir à entendre, plaisir à voir. Ce que je comprends, c'est que dans Machitos, il y a quand même un très gros côté social. D'ailleurs, toi-même, tu le dis, quand tu pitches ton projet en deux mots, tu nous dis qu'il s'agit aujourd'hui de sacs à dos solidaires. Mm-hmm. Ce côté solidaire,
comment tu t'y es pris, comment tu as choisi le programme que tu allais soutenir à travers cette édition de SAC. Dis-nous. J'avais déjà une idée assez précise derrière la tête, puisque moi-même, je viens en fait d'un ancien bidonville de Lima. Donc, je voulais un projet, m'associer à quelque chose qui ressemblait à ça. Et la première chose que j'ai faite, c'est demander d'abord là-bas à la famille que j'ai s'ils connaissaient des associations ou des projets sur lesquels qu'on pouvait parrainer via notre activité. Et moi-même, sur Internet, sur des sites gouvernementaux, en fait, on a la liste des associations qui œuvrent au Pérou, ce qu'elles font, comment elles le font, ce qu'elles ont déjà fait. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé l'association Mano a Mano. J'ai parlé avec la fondatrice. Et tout de suite, j'ai accroché, puisqu'elle m'a envoyé toute la documentation de l'association, ce qu'ils faisaient, les différents projets qu'ils menaient, comment ils le faisaient. Ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent là-bas. Et j'ai tout de suite accroché, parce que c'était assez incroyable, en fait, au final, ce qu'ils arrivaient à faire, les personnes qu'ils arrivaient à mobiliser. Et elle aussi, du coup, a apprécié le site Machitos. Les produits, tout l'univers. Et voilà, on s'est dit, ok, moi j'étais prête vraiment à, pareil, mettre en avant l'association, montrer ce qu'elle faisait, pour l'associer à une marque, puisque pour nous c'était impensable de développer une marque fabriquée au Pérou sans cet aspect. Et donc concrètement, comment est-ce que tu aides l'association Mano a Mano? Comment ça se passe concrètement, au-delà de l'accord, du terrain d'entente? Comment est-ce que tu les aides concrètement? Pour chaque sac vendu, en fait, une journée d'emploi est financée dans le cadre du projet des femmes constructrices. Ce projet, en fait, a pour vocation de former des femmes des bidonvilles au métier du bâtiment et de la construction pour les insérer sur le marché du travail. Et pour qu'elles deviennent indépendantes financièrement et professionnellement. Elles œuvrent en fait, elles travaillent du coup au sein du quartier pour rénover ou construire des parcs, des chemins, restaurer par exemple un centre sanitaire. Et donc une journée de travail pour une femme, c'est 10 euros, ça coûte 10 euros. 10 euros c'est quoi? C'est la rémunération de la personne. La formation, l'équipement, puisque c'est des métiers du bâtiment, donc il faut une tenue spéciale, casque, etc., gants. Et donc formation, tenue, rémunération, et également il y a un accompagnement fait aussi auprès de ces personnes-là. Et nous, on reverse 2 euros par sac vendu. D'accord. Soit 20% de la journée. Voilà. D'accord. Super, donc, bravo. Bravo pour ça. Donc concrètement, si vous voulez les aider, et ça a l'air d'être une volonté très forte chez vous, c'est-à-dire qu'il faut vendre des sacs. Oui. Mais, des sacs. Moi, tu me demandes de faire un sac, je ne sais pas faire. Comment vous avez fait? Vous êtes entouré de designers, de stylistes. Comment on fait un sac, quoi? Alors, j'ai pas de formation de stylisme, je suis pas non plus particulièrement adepte de mode, c'est peut-être contre-intuitif de le dire, mais c'est plus, c'est plus l'univers derrière le produit que le produit en lui-même en fait, qui nous ont permis de réaliser assez vite des premiers prototypes. Ce qu'on a fait, c'est que voilà, la première chose à faire, c'est se dire, ok, un sac à dos, c'est souvent synonyme de randonnée, de sac assez lourd ou du moins pas très esthétique. Et nous, ce qu'on voulait, c'était plus quelque chose d'urbain qu'on puisse porter tous les jours. Donc un produit beau et utile et confortable. Donc on a commencé par chercher d'abord tous les modèles de sacs qu'on aimait bien. Donc on a fait notre choix, on a sélectionné en fonction de la coupe,
des motifs. Et puis on a monté nous-mêmes un premier petit proto sur l'ordinateur qui ressemblait à rien, mais qui était visuellement... Alors on voyait à quoi on voulait en venir. On voyait déjà l'intention. Voilà, on voyait à quoi ça allait ressembler. Avec ce premier petit proto fait sur l'ordi, je suis partie au Pérou. Et là, il fallait trouver des personnes avec qui travailler. Donc j'ai choisi Josefina et Faustino, que j'ai rencontrés pendant mon voyage. C'est un couple d'artisans qui travaillent depuis des années dans le cuir. Et c'est en échangeant en fait avec eux qu'on a pu aboutir à ces quatre premiers prototypes. Parce que moi j'avais la vision et l'esthétisme qui se retrouvent ici. Et eux, le savoir-faire du cuir, donc il y a certaines choses que je voulais qui n'étaient pas possibles. Et moi, des idées de modèles ou de formes dont eux n'avaient pas l'habitude. Et le mélange des deux en fait a abouti au premier résultat. Qui était vraiment top. Donc tu rencontres ce couple d'artisans au Pérou, vous arrivez à travailler ensemble et donc à bâtir des prototypes. Mm-hmm. Après ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, en parallèle, on avait déjà commencé à tester un peu le marché pour voir si ça allait plaire ou pas en termes de design. Et voilà. Donc ce qu'on avait fait tout d'abord, c'est qu'on avait utilisé un blog qu'on avait déjà lancé un an auparavant sur le Pérou pour tester via des articles qu'on avait écrits pour montrer un peu des sacs similaires et pour voir en fait s'il y avait un intérêt pour ces sacs. On avait également fait plusieurs pages type landing page pour récolter des emails pour en fait voir si les gens étaient prêts à laisser justement des informations personnelles pour être avertis du lancement de la marque. Donc c'était un petit peu compliqué parce que sur ces pages, il n'y avait pas forcément les vrais modèles, mais c'était quelque chose qui ressemblait fortement. Donc on a testé comme ça au début. Ça a confirmé en fait notre idée de faire ces sacs à dos et de passer la première commande. D'accord. Mais quand on passe une commande, en général, il faut payer les artisans avant, donc ça nécessite de l'argent. Comment est-ce que vous avez financé cette première commande ? On a fait deux choses pour la financer. C'est vrai qu'on ne pouvait pas tout financer de notre poche. Donc la première chose qu'on a fait, c'est des précommandes. Donc des gens qui précommandaient leur sac, donc qui payaient en avance, sachant qu'ils n'étaient pas encore fabriqués. Ça a couvert une partie. Et une autre partie a été couverte par un événement en fait qu'on a organisé, donc une fête. On a pris le prétexte de la fête nationale du Pérou qui a lieu le 28 juillet pour organiser un événement à Paris. Et on voulait 100 personnes minimum pour rentrer dans nos frais. Et tout le reste, eh bien, c'était en fait des bénéfices pour financer la première commande. Et on a été, ça a été assez épuisant, puisqu'on a lancé l'événement un mois et demi avant la date. Et j'étais au Pérou, on n'avait pas de salle, on ne savait pas quoi faire pour les boissons, il n'y avait rien. Mais en fait, parfois, il faut juste se fixer une échéance exactement pour faire les choses. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et au final, il y a eu... presque 250 personnes avec entrée payante, boisson pareil payante, nourriture, un concert, des danses, la totale. Mmh. Et on a été très contents puisque c'était beaucoup d'efforts, mais le résultat était vraiment bien. Mis à part l'aspect financier, c'était super agréable de voir les gens s'amuser tout simplement. D'accord. Passer un bon moment. Ok. Bravo. Et du coup, donc là, vous arrivez à financer cette commande. Donc, c'est super, mais il faut les vendre, les sacs. Ouais. Donc, concrètement, comment vous les vendez ? Concrètement, alors, il y a une partie sur le site. On utilise aussi le blog Voyage au Pérou qu'on a pour ramener du trafic sur notre site. Et ce qu'on a fait tout de suite aussi, c'est de mettre les sacs à dos sur des marketplaces qui ont elles-mêmes déjà beaucoup de trafic.
de type A Little Market ou Etsy, qui sont totalement en accord en fait avec ce qu'on vend, puisque c'est focalisé sur de l'artisanat. Et c'est vrai que ces marketplaces nous ont permis aussi d'avoir, d'avoir les premières commandes assez rapidement. Et aujourd'hui, donc, vous avez déjà vendu des sacs. Ouais. L'objectif, c'était de vendre en France. Est-ce que vous avez vendu ailleurs qu'en France ? Oui, on a vendu ailleurs. D'ailleurs, c'était assez surprenant. On a envoyé en Suède et on a envoyé en Irlande. Waouh ! Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On est forcément content. C'est d'abord une surprise, mais super agréable, puisqu'on voit tout de suite qu'il y a un certain engouement, que ça plaît, et que ce soit en France ou à l'étranger, en fait, chaque commande en fait, est super impactante. Je pense. L'aventure Machito, ça a l'air folle, il y a plein de choses, il y a plein de voyages, il y a des arbitrages sur les sacs, il y a la manière dont vous arrivez à promouvoir les sacs, le choix des plateformes, etc. Enfin, ça m'a l'air d'être très dense. Comment tu fais au quotidien pour arbitrer, pour savoir quelle est l'action prioritaire à faire par rapport à une autre, celle qui va vraiment te faire avancer sur ton business? Comment tu sais à quel moment tu perds du temps et à quel moment tu es sur la bonne voie, quoi. S'organiser, c'est quelque chose d'assez difficile. Et c'est sur le temps, en fait, où on se rend compte, on arrive à nous-mêmes définir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Au début, on fait plein de choses concrètement qui ne font pas avancer le business et on s'en rend compte qu'après coup. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est une question d'apprentissage comme tout le reste. Et aujourd'hui, nous, comment on travaille, notre premier objectif, c'est de vendre des sacs. Et chaque action à laquelle on va penser, on va se demander, ok, est-ce que ça va me permettre de vendre un sac ou pas? D'accord. Si oui, on le fait. Sinon, on ne le fait pas ou on le reporte. Après, il y a des actions qui sont immédiates, qui permettent de vendre des sacs sur le très court terme ou instantané. Ou des actions qu'on va quand même faire dans une optique quand même moyen terme, où on sait que sur la durée, ça va avoir un impact. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous, on est focalisé sur la vente. Mais Lisa, il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui te regardent en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec eux avant qu'on se quitte ? J'aimerais leur dire que tout simplement qu'il faut se lancer, qu'il faut essayer. Il ne faut pas se mettre de barrières tout seul. Parce que psychologiquement, parfois, on a tendance à se poser trop de questions. Mais il faut juste le faire, sans réfléchir. Il ne faut pas se mettre de la pression. C'est vrai que tout le monde voit dans les journaux, dans les médias, telle entreprise à succès, tel entrepreneur à succès. Tout le monde a envie de réussir, c'est normal, c'est le but. Mais il faut savoir commencer un jour et se dire que ce qu'on va faire, c'est pas définitif. On peut faire autre chose, on peut rebondir, on peut intégrer un nouveau projet. Voilà, enfin. Pas se dire que dès qu'on commence, c'est le projet de notre vie et qu'on sera fiché durant toute sa vie si on ne réussit pas. Il faut commencer petit, à faire des choses qu'on aime, peut-être qui paraissent au début insignifiantes, mais se faire la main. Surtout se faire la main. Parce qu'en fonction de ce qu'on va faire, il y aura des réflexes qui vont arriver. Est-ce qu'on est capable de faire, peut-être au début, en 3 mois, on sera capable de faire en 3 jours la prochaine fois. Voilà. Merci Mélissa, c'était enrichissant, c'était intéressant. Et je te souhaite bonne route, beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci. Beaucoup d'authenticité, de partage et de courage. Merci.